sa première saison avec des étalons pur sang anglais, le haras du Grand Courgeon au Lion d'Angers propose un débutant déjà célèbre, Joshua Tree, un fils de Mongeux, triple gagnant de groupe 1. Très signé dans son modèle par son prestigieux mais trop vite disparu père Mongeux, un grand chef de race, Joshua Tree a fait tomber le marteau pour 360 000 guinées, soit près de 500 000 euros, yearling à Tattersalls en Angleterre, pour le compte de Coolmore. Cet élève des haras irlandais de Lady O'Reilly est fils d'une gagnante de groupe 3, Madeira Mist, tandis que sa troisième mère, Magic of Light, a gagné groupe 1 à Royal Ascot dans les Coronation Stakes. Joshua Tree fut incroyablement tenace pour courir dans 10 pays différents, connaître 5 entraîneurs et glaner plus de 2 millions d'euros de 2 à 7 ans. Détailler son palmarès complet serait trop long car il l'a ouvert dès ses débuts en août de ses 2 ans en Irlande, un mois avant de remporter son premier groupe 2 pour Aidan O'Brien, les Royal Lodge Stakes sur les 1600 mètres d'Ascot en Angleterre. Absent du printemps classique, il rattrape aussitôt le temps perdu et enlève pour la première fois le Canadien international groupe 1 sur les 2400 mètres de Woodbine de haute lutte. Joshua Tree on the inside, Joshua Tree in a win photo. Acquis par 2 Qataris, messieurs Nabouda et Albaou, il s'impose à Doha à 4 ans puis aligne les places dans les grandes épreuves internationales avant de retrouver le chemin de la victoire dans le convoité prix Kergorley, groupe 2 à Deauville, cette fois sur 3000 mètres. Passé par Dubaï, le Japon, l'Angleterre, Hong Kong et encore l'Italie, Joshua Tree trouve tout de même sa terre de prédilection au Canada, à Woodbine, où après avoir gagné en 2010, conclu deuxième en 2011 et regagné en 2012, il réalise un triplé historique dans ce groupe 1, les Canadiennes internationales, à 6 ans, en 2013. Fort d'une telle carrière terminée à 7 ans en 2014, Joshua Tree débute étalon au haras du Grand Courgeon au Lion d'Angers en 2015 à 2500 euros.